voilà. Nous y voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous nous retrouvez aujourd'hui sur YouTube. C'est une première, donc on va essayer de faire les choses correctement. Un petit bonjour à ceux qui nous ont déjà rejoints, un petit bonjour à ceux qui nous suivent depuis longtemps. Ah, il y a des têtes connues, c'est une bonne chose. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, etc. Comme ça, on enchaîne un petit peu. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue sur nos Live Connect, qui sont des YouTube Live maintenant, les Ask Pro. Le thème du jour, ça va être InDesign, maîtriser sa copie pour l'affiche et la publicité. Donc c'est un thème qui va être très orienté design. Je vais être avec vous pendant une petite heure. Pour ceux qui ont la chance de nous suivre dans le live, vous avez un petit chat sur le côté, directement sur la chaîne YouTube. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez ça? Oui, un petit bonjour, un petit ok. Vous êtes quelques-uns à suivre. Et donc tout va bien, bah, c'est plutôt une bonne chose ça, ok? Ouais, nickel. Alors, du coup, pour savoir qui est là, qui nous suit, qui nous a rejoint, toujours mes petites questions du début, à savoir qui est déjà follower de la chaîne, qui est déjà surtout utilisateur Creative Cloud. Alors on a Mickaël Chaise qui fait des petits passages, hein, c'est toujours... voilà, ça me permet d'avoir du monde et de vous voir. Qui est abonné Creative Cloud dans les gens qui nous suivent? Est-ce que vous êtes arrivé par hasard? Est-ce que vous êtes venu en sachant pertinemment ce que vous viendriez chercher ici? Un petit oui, un petit non. Ouais, il y a bien le chat, ouais, merci. Merci Harry Potter, on est suivi par des stars en fait. C'est quand même dingue. Donc pour moi c'est un petit peu nouveau, donc on va essayer de se roder, je vais profiter de votre présence pour ça, et puis vous le savez, donc ce live sera disponible en replay dans la foulée. C'est le gros avantage de faire ça directement sur YouTube, au moins on est sûr que tout se passe bien et que tout le monde est là. Donc thème du jour, l'affiche publicité, maîtriser sa copie. Hop, je vais tenter une transition de folie. Donc cette petite transition pour vous faire partager en fait mon écran, et donc tout ce que je vais faire à l'écran vous allez le voir, et du coup on va pouvoir tester ça et échanger là-dessus. La raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet aujourd'hui, c'est spécifiquement parce que vous êtes sans doute utilisateur d'InDesign, de Photoshop ou d'autres outils. Et si vous êtes utilisateur de ces outils-là, ben, y a toujours la grande question de mais qu'est-ce qu'on fait avec et comment est-ce qu'on fait pour gagner du temps? Aujourd'hui, je me suis basé sur la problématique de publicité, parce que ben, c'est un domaine que je pratique, que je fréquente, et sur lequel il y a toujours des questions sur comment gagner du temps, comment être capable de partager plus de contenu plus vite, de travailler en collaboration avec différents utilisateurs. Donc je vais vous faire le petit sondage que j'aime bien faire au démarrage, c'est est-ce que vous êtes utilisateur InDesign 100%, 50% Photoshop, 50% InDesign, ou carrément autre chose? Mettez-moi des pourcentages de ce que vous faites, comme ça, ça me permettra de comprendre et de mieux vous suivre. Allez-y. Check. Voilà. Alors du coup, je sais pas, Mike, toi qui connais un petit peu plus ça, hein, je pose des questions à mon public direct. Est-ce qu'on est censé avoir un lag sur ce chat? Ou est-ce que vous avez tout en direct? On a un petit lag quand même de 15 secondes pour vous laisser répondre. Voilà. J'aime bien faire les vraies questions comme ça, les questions importantes. Ouais. Abonné, fan, merci. Abonné, IT, waouh, cool. C'est 6. Alors dites-moi, quelle est la différence entre Photoshop et InDesign? Ah ouais, il va y avoir 2-3 trucs à voir. Non, 80% Photoshop, 50-50, 100% Photoshop. Ok. Alors, la manière dont je veux aborder le sujet avec vous aujourd'hui, c'est justement de se dire que dans Photoshop, je traite mes images, je traite mes photos, donc je vais les traiter et je vais les faire traiter plutôt par un professionnel de la question, je pense à un retoucheur pro, je pense aussi à un choix d'un photographe, d'un shooting, d'un plateau, des ambiances, des lumières, des modèles, du make-up, vous voyez que ça commence à faire très très vite beaucoup de monde, et puis aussi parce que parfois on n'a pas assez
budget-là, on n'a pas ce temps-là à disposition, peut-être un tour sur un outil qui s'appelle Adobe Stock. Alors je ne sais pas si ici, alors voilà, je vois que ça commence à monter. InDesign, Illustrator, Photoshop, 50%, etc. Ah ben merci Stéphane de répondre sur la question Photoshop pour le photomontage. Donc, pour les gens qui n'ont jamais mis les mains dans un budget photo et qui se rendent pas forcément compte du temps qu'on peut y consacrer et y passer, je vais vous faire un petit tour d'une de mes fonctions favorites du Creative Cloud, qui est ici les bibliothèques CC. Les bibliothèques CC, ce sont des petites bibliothèques que vous pouvez garder pour vous, que vous pouvez partager avec des collègues. D'ailleurs, depuis peu, vous avez en haut les 5 ou 6 bibliothèques principales, les dernières que vous avez utilisées, et puis vous allez retrouver en bas, par ordre alphabétique, toutes celles que vous avez développées. Et ce que vous remarquez sur mon écran, sur ces bibliothèques, c'est que certaines ont un petit picto avec des petits personnages dessus. Et bien tout simplement parce que mes bibliothèques, je peux demander spécifiquement dessus à les partager. Donc partager le lien d'une bibliothèque, être capable de trier, de proposer des contenus à un collaborateur et surtout lui proposer de collaborer. Et collaborer, qu'est-ce que ça veut dire dans les bibliothèques CC? Mais alors attendez, on va le faire en live d'ailleurs. Je vais me faire une nouvelle bibliothèque pour qu'on va appeler Ask Pro Pub. Voilà. Ask Pro Pub, quand je crée ma publicité, eh bien ma bibliothèque, il n'y a rien dedans. Il n'y a strictement rien. Sauf que, eh bien, si je crée cette bibliothèque, il y a peut-être des choses que je vais vouloir conserver pour pouvoir proposer à mon audience. Ici, je cherche par exemple, je peux faire une recherche d'image. La recherche d'image, j'ai plusieurs endroits pour y accéder. Moi, perso, dans mon InDesign, je vais avoir tendance ici à chercher par exemple une affiche. Et quand je demande l'affiche, eh bien effectivement, à l'intérieur de ce qu'on appelle Adobe Stock, je vais retrouver des mises en place pour les affiches. Je vais pouvoir retrouver ici une qui m'intéresse, je vais pouvoir retrouver une affiche, tiens, dans un couloir de métro. Celle-ci me plaît bien, eh bien je peux la rajouter à ma bibliothèque. Et surtout, ce qu'il y a de neuf et qui est extrêmement pratique, c'est que je peux la glisser directement dans mon InDesign. Si je la glisse dans mon InDesign, elle fait partie de mon fichier et je peux commencer à bosser avec. Et ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que quand je sors de ça, eh bien je retrouve sur ma bibliothèque ce document et cette image qui est présente et qui pour l'instant a un gros gros filigrane en plein dessus. Le filigrane, c'est quoi? Ben, c'est le fait que ce soit écrit Adobe Stock dessus. Bien entendu, là, je suis en train de préparer une maquette. Je suis en train de proposer à mon client des idées par rapport à ce que j'ai envie de mettre dedans. J'ai besoin quand même qu'il valide, qu'il me dise oui, ok, c'est le bon visuel ou non, on va peut-être retravailler différemment. Et ça, cette bibliothèque, eh bien, je peux la faire valider par mon client. Je peux tout simplement lui demander de collaborer. Collaborer, il va me renvoyer vers le site du Creative Cloud et sur le site du Creative Cloud, il va me dire ben voilà, ici j'ai ce dossier de bibliothèque, dedans on va retrouver le visuel en question et je vais choisir un partenaire avec qui je vais partager ma bibliothèque. Alors je vois qu'il y a des questions, j'essaye de les lire une fois de temps en temps, je sais que Stéphane et Mickaël sont là en modération. Sur le vecteur, la différence Photoshop Illustrator, ok. Ah, Stéphane n'est pas encore modérateur, mais ça va venir dans quelques instants. Tu peux, toi? Hop, trois petits points. Allez, Stéphane, tu vas être un modérateur désormais. Bienvenue dans la clique des modérateurs. Voilà. Et je peux même rajouter Michael, ça lui fera plaisir aussi. Hop. Check. Voilà. Bienvenue tous les deux. Vous êtes nos nouveaux modérateurs, vous allez pouvoir m'aider et répondre à toutes les questions et surtout poster des liens. Et du coup, rappeler par exemple à notre cher ami Nightbot qu'on peut appeler le Creative Cloud et présenter pour ceux justement qui ont des doutes. Donc ici, je suis sur ma page des assets de mon Creative Cloud. Et donc sur cette page, je peux choisir un collaborateur. Alors justement, je viens de les rajouter en modérateur. Je vais les rajouter ici. Hop, Stéphane. Je lui donne un droit de modification ou uniquement un droit de lecture en fonction de ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin juste qu'il prenne des assets, qu'il prenne des éléments pour pouvoir rajouter, par exemple, eh bien, il pourrait avoir à compléter un contenu, il pourrait avoir à faire la même annonce ou une annonce, une déclinaison, il aurait que les droits de lecture. Si par contre ce collaborateur est un petit peu plus avancé, en tout cas par rapport à moi, je peux l'inviter avec des droits de modification.
avec les droits de modification, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien déjà, de son côté, il va recevoir une notification dans son Creative Cloud. Il aura tout en haut dans son Creative Cloud, dans l'accueil, des liens sur les gens qui sont connectés et sur le fait qu'il peut venir faire partie de cette bibliothèque. Ça, c'est un premier truc qui est très important. Le deuxième truc qui est très important, et je ne sais pas si Stéphane aura l'occasion de le faire, c'est qu'il va pouvoir créer du contenu et me le faire passer. Par exemple, là vous voyez que l'icône de Stéphane est présente maintenant, je le retrouve dans les gens qui font partie de ma bibliothèque, et bien si Stéphane choisit une autre image pour la pub, il peut tout à fait la rechercher dans stock, vous ne verrez bien sûr pas son écran, il n'est pas avec moi en direct, et c'est tout l'intérêt de ce process, c'est de pouvoir collaborer même avec des gens qui sont pas à côté de vous dans le bureau. Et c'est ça que je trouve assez, assez fort. Alors du coup, toujours dans la catégorie petit sondage, est-ce que vous aviez déjà essayé les bibliothèques Creative Cloud? Est-ce que vous aviez déjà mis la main dessus? Voilà. Alors, petite question. Si on s'abonne au Creative Cloud, à chaque image prise dans la bibliothèque, est-ce que c'est facturé? Alors non, justement. Lorsque vous vous abonnez au Creative Cloud, en fait, vous vous abonnez à tous les services autour des applications. Vous avez InDesign, vous avez XD, Illustrator, Photoshop, Lightroom, Premiere ou After pour les gens qui font de la photo. Par contre, ce qui va vous prendre et vous comptabiliser des licences, c'est ici, par exemple, vous voyez sur mon image, j'ai un petit chariot ici sur le côté. Je l'ai aussi dans ma bibliothèque. Et bien, sur cette image, si je souhaite l'utiliser pour de bon, je vais tout simplement lui demander de faire un clic droit sur le visuel, si je me plante pas, check, ou un petit clic là-dessus, voilà, je fais un double clic sur le petit chariot, et il va se connecter à mon abonnement stock, il va me dire, bah voilà, il te reste certaines licences, il me reste 657 licences que je peux utiliser là-dedans. Donc je lui dis ok. Et là, vous allez me dire, tiens, en parallèle, il s'est passé un truc. Ici, moi, je dis OK pour ma licence. Cette image, je vais l'utiliser. Et en parallèle, vous voyez des styles de paragraphes qui sont arrivés. Vous savez ce que sont ces styles de paragraphes? Eh bien, c'est Stéphane qui vient de son côté, sur son ordinateur, de rajouter un style à la bibliothèque. On n'a pas besoin d'être dans la même pièce pour pouvoir travailler sur le même document. De la même manière, moi, depuis InDesign, je peux tout à fait lui dire, ok, ce texte-là, eh bien, je vais le réutiliser plusieurs fois. Quand je le sélectionne, vous voyez en bas de mon panneau de bibliothèque, j'ai plusieurs petites icônes. La première me permet de conserver tout le graphique, la deuxième me permet de conserver les styles de caractère ou de paragraphe s'il y en a. Je vais conserver tout le graphique, et maintenant, je pourrai l'utiliser, le réutiliser au besoin. Ok. Alors oui, déjà des utilisateurs, pas encore de partage, mais c'est le top. Ouais, très pratique les bibliothèques pour partager entre applications, ouais, carrément. Carrément. Gain de temps depuis l'utilisation des bibliothèques et de stock. Oui, tout à fait. Dès qu'on travaille à plusieurs, voire même tout seul, hein, parce que moi je sais que je travaille soit avec des collaborateurs, soit tout seul dans mon bureau, eh bien l'intérêt de ces bibliothèques, comme vous l'avez vu, c'est de pouvoir donc stocker ces images, stocker ces contenus, et surtout, tout à l'heure quelqu'un nous disait, ben tiens, c'est quoi la différence entre InDesign et Photoshop? Eh bien imaginez maintenant retourner dans Photoshop, ici j'ai la suite du travail dans Photoshop, je vais retrouver par exemple dans mes bibliothèques, ma bibliothèque Ask Pro Pub. Je vais retrouver les mêmes éléments. Alors je vais lui demander ici de se remettre sur les indispensables. Je vais retrouver les mêmes éléments dans ma bibliothèque que ce que j'avais de l'autre côté dans InDesign. Et je vais du coup pouvoir prendre ce visuel, je vais pouvoir commencer à travailler avec si j'en ai besoin. Et vous vous rappelez, j'avais choisi un visuel donc dont j'avais acheté la licence, et si j'en ai acheté la licence, eh bien je suis sur mon visuel hot def et je peux travailler dessus directement. Et si je peux travailler dessus directement, je peux même imaginer préparer des contenus. Tiens, en parallèle, je vois que Stéphane continue de travailler avec mon Creative Cloud et de m'envoyer des éléments. Ici, il m'envoie un motif que je vais pouvoir réutiliser. Il m'envoie une palette de couleurs. Donc, je vais pouvoir aussi fabriquer un visuel. Ici, par exemple, si je décide, en parallèle de ma campagne de pub, d'affichage, d'avoir une campagne web avec, par exemple, des bannières, eh bien, je vais pouvoir, depuis Photoshop, faire la campagne web. Je vais lui donner un petit nom comme ça. Je vais pouvoir choisir un format de plan de travail qui corresponde eh bien, à de la bannière, si j'en ai là-dedans, format web, ou toutoutouk. Est-ce que je vais les retrouver là-dedans? Iconographie peut-être? Voilà, icône d'application ou autre.
Voilà, on va aller chercher sur le web, ce sera déjà pas mal. On va prendre les formats basiques et je vais pouvoir lui dire, bah voilà, je vais travailler sur cette image, je suis en train de travailler sur le même visuel et je peux travailler et utiliser mes contenus, par exemple ici. Je peux reprendre le motif en question, je peux décider de le placer et je peux, bah, comme tous les calques de motifs dans Photoshop, lui demander hop, de créer. Alors on va afficher un petit peu mieux mes calques et un tout petit peu moins mes couleurs. Voilà. Je peux lui demander de récupérer hop, le motif juste sur cet espace-là. Et c'est un motif qui m'a été fourni par mon collaborateur Stéphane et que je peux, sur lequel je peux travailler. Donc vous voyez un petit peu la puissance et l'utilisation de ça. Ouais, nouvelle utilisation. Question de débutant, créer un flyer genre carte des menus d'un resto. InDesign est le mieux placé. Ouais, carrément. InDesign va être le mieux placé. On va voir justement pourquoi au fur et à mesure de notre session. Du coup, pour les bibliothèques, c'est pratique. Et seul ou en équipe, c'est mieux. Études faites par un cabinet externe. Ouais, merci Stéphane pour le petit lien. Donc voilà, vous avez toujours des petits liens. On va essayer au fur et à mesure aussi de les rassembler pour pouvoir vous les poster sous la vidéo et vous les pousser pour les gens qui ne regardent pas le live mais qui regardent le replay. Je sais qu'ils sont nombreux à venir et repartir et donc on va en profiter. Voilà. Donc là d'ailleurs, je suis dans Photoshop, je commence à travailler sur mon image et je peux même imaginer un petit truc que je trouve aussi assez sympathique là-dedans, c'est si je décide que ce fond avec le motif et pourquoi pas avec des réglages, parce que je suis dans Photoshop, donc j'ai le droit de rajouter autant de réglages que je veux sur mon image, par exemple le filtre caméra RAW, venir dessus, retravailler hop en automatique la lumière de ma photo, peut-être la rendre un petit peu plus chaude sur l'ensemble, voilà, peut-être gérer un petit peu plus de contraste sur l'image, peut-être redonner un peu de matière dans les tons clairs, peut-être au contraire foncer un petit peu l'extérieur, voilà, un peu plus de vibrance. Je valide ce réglage là, je vais prendre à la fois mon billboard, donc mon affiche et mon motif, et je peux les reglisser dans mon Creative Cloud. Et donc il va me glisser le contenu de cet élément là entre Photoshop et mes bibliothèques. Et donc si je retourne dans mon InDesign, eh bien je vais retrouver le contenu qui aura été glissé entre Photoshop, les bibliothèques et InDesign à nouveau. Et donc je vais pouvoir utiliser, je vais pouvoir partager entre les différents éléments. Ça va ça? Ok, merci. Ouais, on fait de la mise en page, on fait de l'édition avec InDesign, on fait un petit peu tout ça. Très bien, très bien. Alors il y avait un autre petit truc que je voulais vous montrer autour du Creative Cloud. Je vais faire un petit branchement, ça va pas nous faire de mal. Tchac, tchac. Pas sur la mauvaise machine, ça serait mieux. Hop. Une petite, un petit temps de connexion. Check. Voilà. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser vos questions à Stéphane, il va être ravi d'y répondre. Ok, on va faire sans la connexion, mais c'est pas très grave. Voilà. Je vais vous parler et je vais vous présenter un mode d'entrée à l'intérieur d'InDesign, de Photoshop, de Muse, d'Illustrator et de toutes vos applications favorites. Ce mode d'entrée à l'intérieur des applications, ça va être un tout petit crochet par les applications qui sont ce qu'on appelle nos applications. Oula, bonjour, oh là là, vous voyez le secret. Vous voyez comment je fais pour être incrusté à l'intérieur. Qui sont donc nos applications pour tablette et pour smartphone. Et quand on dit application pour tablette et pour smartphone. Et ce que vous voyez là, donc, c'est ce sur quoi je vais me déplacer.
Et vous allez voir du coup sur mon écran une petite appli qui s'appelle Adobe Comp. Et cette appli qui s'appelle Adobe Comp, elle me permet de créer des projets. Ici, on avait un projet tout fait à partir d'une bibliothèque. Je crée ce projet, je lui demande d'aller choisir, eh bien pourquoi pas pour ma pub, un format A5 paysage, par exemple, ou pour mon menu, ou pour tous les éléments que j'aurais besoin de récupérer. Et puis, je peux lui demander d'aller chercher dans mes bibliothèques des images. Eh bien ici, celle-ci, vous commencez à la connaître un petit peu. Ah, pardon, sans connexion internet, ça va être un petit peu plus complexe. Donc c'est pas très très grave. Je vais dans un premier temps lui dire que je vais me laisser un espace sur la page. Je vais pouvoir lui dire qu'on va commencer à traiter du titre. Je vais pouvoir lui dire que dedans on va avoir plusieurs blocs de texte sur lesquels on va bosser. Et puis à la fin, quand j'aurai fini, quand j'aurai commencé à faire ma mise en page, éventuellement en choisissant donc là soit parmi les bibliothèques, soit directement parmi les photos de ma machine. Ici, j'ai certaines photos qui m'intéressent dans les moments, celle-ci me plaît bien et elle correspond à ce que j'ai envie de mettre en place. Et bien, une fois que j'ai préparé mon contenu, et c'est là que ça devient très très fort et très utile, c'est que je vais pouvoir envoyer vers l'une de mes applications. Alors soit pour mon client directement en PDF, hein, ça c'est quelque chose qu'on est capable de faire, mais si j'en ai besoin, je peux lui demander de l'envoyer par exemple vers InDesign, vers Illustrator, vers Muse, vers Photoshop, pour les gens qui préfèrent travailler avec Photoshop. Ça va ça? Ok. Ouais, génial, merci. Attention, on devient accro, ouais, c'est un peu le risque. Les modifications prennent du temps, c'est parce que je n'ai pas sauvegardé les modifs de mon image qu'ils ne sont pas pris en compte. Alors les modifications, en fait, elles prennent du temps, mais vous allez le voir pourquoi. C'est parce que je suis ici sur une toute petite connexion à l'export. Donc évidemment, si j'envoie une photo en haute def, ça prend plus de temps que si j'envoyais une petite version, ce qui est un peu normal. Voilà. Ouais, c'est assez énorme. Bon, vous êtes toujours là? Tout le monde me suit, c'est bien, bienvenue. Donc, on va lâcher un tout petit peu l'iPad, et du coup, on va pouvoir recommencer à travailler sur la suite de nos contenus. Donc, j'ai débarqué, et je vous avais dit, sur la publicité. Comment est-ce qu'on va faire une publicité? Cette publicité, on va pouvoir la mettre en place de différentes manières. La première, c'est d'abord de réfléchir, de se voir avec les différentes parties, donc le client, les groupes directeurs de création, directeur artistique, concepteur, rédacteur, mettre un petit peu sur la table ce qui nous intéresse, qui correspond à l'analyse qu'on en avait faite, et puis on va travailler sur la réalisation eh bien, d'un rough dans un premier temps. Et une fois qu'on aura traité ce rough, on va pouvoir mettre en forme notre affiche. Le travail du rough, on va pouvoir le faire de différentes manières. Première chose, quand on va vouloir travailler sur ça, eh bien, on va pouvoir le passer, ici j'étais sur une tablette, je peux tout à fait préparer mon rough sur tablette et l'intégrer par la suite dans mes applications via la bibliothèque. Ça c'est extrêmement simple. J'ai peut-être d'ailleurs dans certaines de mes bibliothèques déjà des refs que j'aurais utilisés qui correspondent, eh bien pourquoi pas à des besoins, pourquoi pas à des rendus qu'on souhaitait mettre en place. Je prends cet élément là, hop, j'ai un élément sur lequel je vais travailler, sur lequel je vais pouvoir me baser. Donc ça, c'est l'intérêt de mes bibliothèques, que je vais pouvoir travailler. Ce qui va être intéressant pour nous aussi, au niveau de notre contenu, c'est qu'on va pouvoir se dire, bah voilà, je prépare mon affiche, mais je ne sais pas forcément à quel format elle va être utilisée. Vous avez tous déjà eu le coup, votre brief de départ, c'est on va travailler sur un format A4, on va être tranquille, ça va être plutôt pas mal, et puis vous arrivez au moment de passer à la régie, et la régie vous dit ok, pas de problème, on travaille sur ce format-là, mais malgré tout, on a plusieurs petites contraintes qu'on va rajouter, comme diffuser dans différents magazines. Et là, on va pouvoir utiliser une des fonctions que j'aime beaucoup à l'intérieur d'InDesign, qui consiste à dire que la mise en page sur laquelle vous travaillez, ce n'est qu'une version de votre mise en page. Par exemple ici, j'ai fait mon affiche, j'aurais pu rajouter de la body copy, hein, hop, je prends mon outil de texte, je vais lui mettre une body copy avec le texte de substitution, c'est ma fonction favorite d'InDesign pour les démos et elle peut servir en live, hein, rassurez-vous. Je vais aller chercher, hop,
très salement, je vais aller prendre à la pipette le style de mon titre. Pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas créé de style de paragraphe, hein. J'ai un petit peu honte pour le coup, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Mais en tout cas, j'ai au moins récupéré les attributs principaux, la couleur, j'ai récupéré la graisse, mais pour la copie, je vais peut-être me remettre en régular, je vais peut-être baisser un petit peu la taille, et je vais peut-être commencer à jouer aussi en termes de justif. Pour une copie, je vais essayer de faire ça un petit peu proprement. Je gère ma justif, je gère mon interligne, c'est un petit peu extrême ces tailles-là, voilà, 30-40, on est plutôt pas mal. Je gère tout un tas de petits réglages à l'intérieur d'InDesign que j'aime bien et que les plus accros de l'édition savent qu'on peut régler ça. Par exemple, vous voyez ici, j'ai une césure, mais à chaque élément qui comporte une césure, eh bien, on va retrouver un léger décroché dans le texte. Regardez en mode aperçu, vous voyez que j'ai un décroché là au niveau du mât, au niveau du exergue, au niveau des virgules et des points. Eh bien, là-dedans, c'est menu fenêtre, texte et tableau, article. Attention à ne pas confondre d'ailleurs avec le menu fenêtre article seul avec un S. Et je vais lui demander de faire ce qu'on appelle l'alignement optique des marges. Vous voyez, la différence est extrêmement subtile, mais ça vous fait un bloc tellement plus joli à regarder, tellement plus élégant. Et donc, comme vous êtes organisé, vous posez ça sur le côté de votre bureau et vous avez accès à votre copie. Donc, vous savez aussi qu'à l'intérieur d'InDesign, on a toujours des repères commentés qui m'ont ici permis de caler ma body copy directement en dessous de mon texte. Je peux recadrer, replacer les éléments pour redispatcher. Alors là, pour le coup, j'avais beaucoup de texte, beaucoup plus que nécessaire. Et je sais aussi, pour l'avoir testé, que une des problématiques qu'on a en agence, c'est le moment où on se dit, bah voilà. J'ai mon logo, j'ai mon slogan, mon accroche, et derrière, la body copy qu'on va utiliser, à quoi elle va correspondre? Combien de caractères, sur combien de caractères est-ce que je peux me baser? Du coup, petite question, est-ce que vous savez comment je vais faire pour me rendre compte, un, qu'il y a des caractères qui dépassent, deux, pour commander à la personne, à mon concepteur rédacteur, pour commander le bon texte? Est-ce que vous savez gérer ça? Je profite du live pour voir un petit peu si vous êtes tous là. Et du coup, je vais lire un petit peu les questions. Est-ce qu'il y a une limite pour tout ce qu'on peut stocker dans la bibliothèque? Ouais, la limite, il va y avoir le poids général de vos contenus. Effectivement, merci Stéphane de compléter d'ailleurs sur le fait que InDesign existe pour les versions PC, Windows tactile. Il existe avec une interface spécifique qui vous permet aussi de retrouver ce qu'on a dans Comp. Tadadam. Donc oui, vous voyez comment on va pouvoir gérer ce texte. D'abord, première chose, pour les gens qui connaissent et qui utilisent InDesign depuis longtemps, vous savez que vous avez le petit plus ici sur le côté qui vous permet de compléter votre texte. Ici, quand je fais petit plus, je vais voir la suite de mon texte. Et quand je dis la suite de mon texte, eh bien je vais pouvoir sélectionner tout ça, ça reste un seul bloc de texte. Ce qui fait que si je décide de supprimer toute une partie de mon contenu, voilà, le texte va suivre avec et on va compléter la ligne. Ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc qui va être très important pour nous, c'est de se dire, ben voilà, j'ai pas ce deuxième bloc de texte, d'ailleurs je l'aurai jamais, mais combien de caractères je vais demander à mon rédacteur? Et bien dans ces cas-là, je passe dans le menu fenêtre et je vais lui demander dans les informations, menu fenêtre informations, je vais regarder justement pour mon bloc de texte. Ici, je sélectionne le bloc de texte et je vais le sélectionner avec l'outil texte. Et soit je sélectionne tout et il va me donner les informations qui sont disponibles, soit je me mets juste dans le bloc. Et là, vous voyez, hop, on va faire un petit zoom, check, sur le contenu. J'ai sur ce bloc de texte précisément 367 caractères. Il y en a 1200 qui dépassent. Mais aujourd'hui, pour la préparation de ma body, c'est pas très important. J'ai 62 mots et 200 qui dépassent et 7 lignes de texte qui sont là. Donc je peux commander à mon rédac, à la personne qui va me faire les baselines, les slogans, les textes, de travailler sur 370 caractères, plus ou moins 10%, pourquoi pas, puisque pour le reste, on s'approchera et on travaillera là-dessus. Ça va ça? Ok. Alors du coup, tiens, si je me dis aussi, j'ai une petite problématique qui consiste à travailler justement sur ce texte en débord, je peux aussi lui demander via le menu édition d'afficher mon texte, mon bloc de texte en mode éditeur.
Et quand je l'affiche en mode éditeur, eh bien je vois bien le début du texte, hein, Nunc maximus ra, etc., etc. Et je vois aussi tout ce qui déborde, ce qui va me permettre éventuellement de savoir que, bah, en fait, pourquoi pas dans ce texte-là, il y aurait peu de débords et ce serait pas très grave. Et du coup, je pourrais peut-être juste resserrer un petit peu mon approche. Donc voilà, c'est le genre de petites choses qu'on va pouvoir faire avec InDesign, justement pour se simplifier la vie, pour maîtriser la copie, pour être sûr de ne pas se planter là-dessus. Ça va ça? Ok? Ouais. Un autre truc qu'on va faire et qui va être crucial maintenant. J'ai commencé à retravailler mon texte, j'ai commencé à préparer ma copie, je sais que je vais avoir des déclinaisons à gérer plus tard. Je passe donc via le menu fenêtre, style, parce que dans InDesign on va énormément travailler en style, et je vais aller chercher dans les styles de paragraphe. Pour l'instant je n'ai aucun style de paragraphe, et bien je vais en créer un exprès pour la copie, ou pour le corps de texte. Voilà, CORPS, corps de texte, je sais que ce style va être appliqué à ce document-là, à cet élément-là. Pareil ici, je pourrais lui donner des informations sur le style du titre. Tout en sachant que sur les titres, eh bien, comme ce sont des éléments qui sont beaucoup plus courts, je vais garder juste certaines informations. Ici, je travaille sur le titre, mais je sais qu'on a changé un petit peu l'approche, qu'on a changé un tout petit peu la taille du caractère pour que ça rentre sur l'espace que je comptais y faire passer. Ok pour vous? Ouais. Très bien, très bien. Donc je continue là-dessus. J'ai ma copie, j'ai préparé mon affiche ma petite page, etc. Je sais que je vais le présenter, je sais que j'ai un logo sur lequel on a travaillé, sur lequel je peux commencer à me baser. Et puis je me dis, ben tiens, comment je vais faire pour redisposer cet élément-là à une taille différente? Alors, le travail de base dans InDesign, vous le savez, quand vous créez un document, c'est de lui donner les infos de dimension de votre fichier, de gérer éventuellement des pages en vis-à-vis. Surtout, surtout, rappelez-vous, vous avez une case aperçue en bas de votre page de nouveau document, vous pouvez lui demander justement de gérer tout de suite le fond perdu. Ici, 3-5 mm, ça peut être suffisant selon le format du document. Pour une affiche, je peux me permettre de rester à 5 mm. Pour un format un petit peu plus petit, on peut descendre encore de quelques millimètres et retravailler là-dessus. Maintenant, ce qui arrive souvent, eh bien voilà, j'ai créé mon affiche ici au format 40-60 et j'ai besoin d'un autre format pour pouvoir travailler. Comment est-ce que vous allez le remettre en place? Eh bien, pour remettre en place ce contenu, je vais utiliser un des outils d'InDesign qui est extrêmement, extrêmement utile, c'est l'outil page. L'outil page, il est très discret, il est caché sous vos flèches de sélection, la sélection directe et la sélection normale, la flèche noire. C'est une petite page avec un petit triangle sur le côté. Par défaut, quand je regarde mon contenu, sur les pages sur lesquelles je travaille, eh bien, la mise en page liquide, ici, est désactivée. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que quand je vais changer le format de ma page, je change juste un format de papier. Et strictement rien ne se passe pour moi, pour mon contenu. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant à regarder, parce que ça me permet de retravailler, mais quand je relâche, déjà rien n'a eu lieu, et en plus il revient au format de départ. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Je vais pouvoir travailler sur les règles de page liquide là-dessus. Les règles de page liquide, comment je vais les utiliser? Je vais pouvoir lui dire, ben, j'aimerais bien peut-être travailler en mise à l'échelle. Ici, je suis sur un format 40-60. Eh bien, regardez maintenant, en ayant coché la mise à l'échelle, sur un format approximativement proportionnel, je peux tout simplement lui demander de réduire. Ici, je me mets sur un format 242-396. Et vous avez cette petite information sur le côté. Ça va pour vous? Vous voyez la petite information dans le HUD, donc dans le Head User Display, dans le petit affichage sur le côté. Dès que je réduis, je vois mon contenu. Ça, c'est pas mal, mais il se passe autre chose là-dedans. Quand je déplace mes éléments, le problème, c'est que j'ai bien une réduction par mise à l'échelle, mais j'ai pas de prise en compte, en fait, du format de mon image. Et c'est toujours un petit peu dommage, parce que j'avais un beau cadrage qui me plaisait bien, et on aurait pu l'utiliser de manière un petit peu plus subtile. Alors déjà, on va réutiliser une autre fonction dans InDesign, qui va me permettre, en fait, quand je redimensionne mon image, ici j'ai choisi un cadrage, je vais pouvoir lui demander de faire ce qu'on appelle de l'ajustement automatique. Là, je suis repassé avec ma flèche noire normale, je peux lui demander par défaut, quand je recadre mon bloc, ici, je n'ai pas d'ajustement automatique, donc mon image ne se redéplace pas quand je recadre le bloc. Je peux lui demander, par contre, de cocher ça.
de vérifier via les options d'ajustement, objet, ajustement et options d'ajustement de bloc, de vérifier que mon image va bien ici remplir le bloc proportionnellement et que j'aurai certaines valeurs de recadrage qui me permettent d'avoir ce cadrage qui moi me plaît plutôt pas mal. Et maintenant regardez, magie de l'outil. Quand j'appuie, je patiente un tout petit peu et je vais voir mon image se recadrer dans son bloc et se redimensionner en conséquence. C'est-à-dire que si j'ai un format qui varie beaucoup, eh bien mon image, le cadrage va varier en conséquence. Ça va ça? Ouais, c'est quelque chose que je trouve assez pratique là-dedans. Et là, pour l'instant, je vous l'ai montré sur un contenu de base. Eh bien, je vais pouvoir revenir sur l'outil page, et je vais pouvoir lui dire plutôt que de faire une simple mise à l'échelle. Quand je fais la mise à l'échelle, effectivement, mon document est à l'échelle, mon image est bien redimensionnée, mais ça ne me mène pas très loin. Je vais pouvoir lui demander d'aller chercher ici une mise à l'échelle qui va être basée sur l'objet. Et qu'est-ce que je vais faire sur mes objets? Eh bien, je vais lui dire, alors je vais aller chercher un petit panneau exprès pour ça, qui est dans le menu page, et qui est le panneau de mise en page liquide. Voilà, merci. Ce panneau de mise en page liquide, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, basé sur l'objet, eh bien, mon texte est présent ici, mon image touche les bords. Et mon image, par défaut, elle a un ajustement automatique. Donc elle a bien le cadrage dont on parlait. Par contre, ce que j'ai pas donné comme info, c'est comment elle allait se redimensionner. Et par défaut, en fait, elle va pas se redimensionner. Il n'y a rien qui va bouger là-dedans. Donc je vais l'aider. Je vais lui dire, j'aimerais bien en fait qu'elle se redimensionne ici en hauteur et là en largeur. Et comme ça, quand je redimensionne mon bloc, regardez, mon bloc image se redimensionne en conséquence. Je peux lui demander aussi de conserver ce qu'on appelle des points de référence. Ici, il va conserver la position de l'image, il va conserver ça proportionnellement autour de mon bloc de page. Eh bien, je pourrais lui demander spécifiquement d'avoir des réglages pour les différents éléments. Je vais le faire ici, par exemple, sur ce bloc image. Ici, le bloc logo, quand je redimensionne, vous voyez qu'il se redécale et qu'il va aller même à l'extérieur de ma page. Je vais pouvoir lui demander d'avoir en référence le côté gauche et le côté bas. Le côté gauche et le côté bas sont calés. Quand je redimensionne, mon logo ne bouge pas. Je peux même lui demander, dans ce cas-là, de gérer la hauteur et la largeur. Voilà. Et comme ça, mon logo va se redimensionner. Par contre, je n'avais pas coché pour ce logo l'ajustement automatique, ce que je viens de faire, et maintenant il va se redimensionner à l'intérieur de sa case. Ça va ça? Ouais. Ouais. Donc j'anticipe un petit peu mon travail. Pareil ici. Mes deux blocs de texte, ici pour l'instant ils sont indépendants. On va voir tout à l'heure que d'ailleurs je vais peut-être pas les garder indépendants très longtemps, mais je peux lui demander que le premier soit bien ferré toujours de la même valeur sur le côté gauche. Voilà. Et comme ça, quand je les redimensionne, les blocs de texte vont rester exactement calés de la même manière. Je peux lui demander de les caler sur le côté droit. Et du coup, alors c'est pas très visible sur celui du haut, mais sur celui du bas, ça se voit. Quand je lui ai demandé de caler le point à droite, regardez ici, il m'a mis un petit ressort, ce qui signifie qu'il va redimensionner sur la largeur ce bloc de texte. Ok pour vous? Voilà, donc si tout va bien et que vous voyez bien le contenu, donc on a bien une redimension qui est prévue sur mon contenu et sur mes images. Je peux lui demander de gérer par exemple par rapport au haut, j'aimerais bien que mon texte reste à la même distance, et pareil pour le bloc du bas. Hop, je vais gérer les deux blocs ensemble. Voilà. Je gère mes blocs, je gère la redisposition, j'ai mon logo qui reste calé dans la page, j'ai bien tous ces éléments qui sont déjà prêts à gérer d'autres versions de cette page-là. Et bien une fois que j'ai d'autres versions qui sont déjà prêtes, je vais d'abord sauvegarder mon document. Je vais l'enregistrer sous, hop, sur le bureau, affiche 4060 liquide, je vais l'appeler liquide, parce que justement c'est ce qui commence à arriver là-dessus, et puis je vais pouvoir lui dire, tiens, pour le menu page, je vais lui demander de faire une variante de cette mise en page. Et quelle variante? Eh bien, j'étais sur un 4060, je vais lui demander d'aller chercher un format, par exemple un format A4. Je vais lui demander de conserver les éléments qui ont été placés et réglés. Je lui dis OK. Alors, est-ce que je peux valider? Oui, il faut juste que je le rappelle. A4 variante, par exemple. Et quand je valide ça, OK.
j'ai bien une autre variante de ma mise en page. Je regarde, est-ce que ça correspond, est-ce que ça correspond pas, peut-être qu'il y a des choses qu'il faudrait que j'adapte dedans. Je vais retester une deuxième variante, toujours à partir de cette page-ci, je vais pouvoir lui demander, objet, page, pardon, créer une variante de mise en page, et à partir de la page A4V, je vais aller chercher une version A4 cette fois-ci, en lui demandant pourquoi pas de faire une simple mise à l'échelle. Et je sais que mon 4060 était beaucoup plus proche de la mise à l'échelle, et donc ça va être un A4 mise à l'échelle. Voilà. Et je teste ça, je fais ma mise en page, je fais ma mise à l'échelle, et effectivement ça correspond un petit peu plus à ce que j'étais en train de rechercher. Et là je vais pouvoir justement travailler sur les différentes options qui me sont proposées. Je peux lui demander par exemple, pour tout un tas de formats de régie qui me seraient demandés, une régie pub me dit, ben voilà, tu veux faire telle ou telle version, page, variante de mise en page, si vous connaissez des formats de magazines, par exemple un petit Science et Vie, est-ce qu'il fait, je sais pas moi, 200 sur 270, eh bien je vais pouvoir lui demander de gérer ça. Je peux lui demander d'anticiper ses créations, et je peux lui demander justement de me créer les différents formats du document à l'intérieur, en fonction de ce que je recherche. Est-ce que c'est une mise à l'échelle, est-ce que c'est une rotation, etc., etc. Et puis là, je me rends compte que je l'ai fait par mise à l'échelle, mais en mode paysage, et bien avec mon outil page, je reviens sur le bon format, sur le format de départ. Ok ? Ouais. Et là, vous allez me dire, ok, c'est pas mal, mais maintenant mon client, en fait, il vient de décider que finalement, la mise en page et le texte allaient changer. Vous dites, drame, j'avais une annonce, j'ai plusieurs déclinaisons de cette annonce, hein, je les retrouve dans mes différents, dans mon panneau de page, je retrouve mes déclinaisons, et mon client me dit, ben voilà, ça y est, il faut changer le texte. Je décide que finalement, c'est plus maîtriser sa copie, mais c'est maîtriser son texte, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Par défaut, maîtriser le texte, allez, on va voir si ça tient, voilà. Il va me dire, bah, par défaut, voilà, le problème, c'est que tu as changé le texte ici, et que tu es obligé de le changer partout. Mais regardez bien, si je descends un petit peu sur mon sur mes pages, là, vous allez voir apparaître un petit panneau qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent quand on n'a pas joué avec ça, surtout sur les textes. Vous voyez ici ce petit triangle, est-ce que vous savez à quoi il correspond ? Ce petit triangle là-haut, en fait, c'est un lien qui est modifié. Vous avez l'habitude de voir ça dans le panneau de lien. Vous savez que vos images, par exemple, elles sont liées. Alors, la plupart des images que j'ai utilisées aujourd'hui, elles sont liées via le Creative Cloud. Donc, elles sont liées via mon panneau de bibliothèque. Mais par contre, pour les textes, quand j'ai fait une variante de mise en page, en fait, j'ai fait l'équivalent de la commande édition. Et en sélectionnant, pardon, le bloc, je lui ai demandé de faire la commande importer et lier. Et en important et liant, eh bien, mon texte, qui était ici, maîtriser sa copie, je peux double-cliquer dessus, le mettre à jour, et vous voyez que mon texte a été modifié. Je peux aller voir de page en page, ici, ce texte-là a été modifié, je peux aller voir sur cette page-ci, ici, le texte a été modifié, maîtriser le texte. Et donc là, je me retrouve complètement à faire des mises à jour d'un seul texte à partir de plusieurs éléments. Ça va, ça ? Ouais, n'oubliez pas le point de référence des options d'ajustement de bloc d'image. Merci Stéphane, ouais. Tout à fait. Je pense que Stéphane fait référence sur cette info, justement au placement dans mon élément ici de page de logo YouTube. Voilà, ici je suis sur le logo, vous voyez que quand je le déplace, il l'ajuste à partir de la largeur. Je peux lui demander, donc, dans les options d'ajustement, vous pouvez aussi faire Alt-clic dessus, d'aller l'ajuster proportionnellement à partir du coin en bas à gauche. Et quand je fais ça, maintenant quand je vais l'ajuster, alors je vais, comme d'hab, attendre un petit peu. Quand je vais l'ajuster, il va rester ferré sur le coin à gauche. Et du coup, il y aura encore quelques-uns des soucis qu'on avait détectés tout à l'heure qui ne seront pas présents, puisque mon élément sera bien lié à partir de l'élément de départ. Ok, compris ? Ouais, merci Stéphane de compléter ce contenu.
Enfin, pour finir, là je vous ai présenté un texte avec un titre qui tient sur la largeur de la page et puis une bête colonne de texte. Parfois, ma body copy me permettrait éventuellement de passer non pas sur une colonne, mais sur deux colonnes. Et le problème, c'est qu'il faudrait que j'anticipe ces deux colonnes par rapport au reste du texte. Eh bien, regardez bien, je vais pouvoir aussi prendre mon texte, le copier. Alors ici, dans cette version, je vais volontairement le couper, je vais volontairement effacer le contenu. Puis quand je vais coller mon titre, vous voyez que plus rien ne rentre, ça ne va pas, c'est pas du tout fait pour. Eh bien, je peux lui demander, pour ce texte-là spécifiquement, de le sélectionner, et je vais lui demander de faire ce qu'on appelle dans InDesign de l'étendue de colonne. Alors c'est des fonctions qui sont disponibles au niveau de la mise en forme, non pas des caractères, mais des paragraphes, et par défaut, vous avez une espèce de petit arc de triomphe ici, qui me permet de choisir soit de scinder le texte, soit plutôt de l'étendre, et donc je vais l'étendre sur la largeur de mon bloc texte. Et donc je vais avoir ici, sur mon bloc texte, mes colonnes de texte, qui vont se redimensionner, check. Alors, on va le faire en appuyant délicatement dessus. J'ai mes colonnes qui se redimensionnent, qui se redispatchent, et le texte du titre qui va rester collé en haut de la page. Ok pour vous? Ok. Donc, je vois que ça a l'air de suivre, que vous avez des questions et que Stéphane y répond. Merci Stéphane, merci Michael dans le chat. N'hésitez pas, hein, si jamais il y a des choses qui vous semblent pas forcément claires ou vous savez pas forcément comment le gérer, n'hésitez pas à me dire, bah voilà, ça, on aimerait bien un petit peu plus de précision. C'est aussi l'intérêt des lives, hein, pour les gens qui suivent le replay. Si vous étiez en live, vous pourriez poser vos questions. Si vous êtes sur le replay, il y a la zone de commentaires, mais on y passe quand même, mine de rien, un petit peu moins souvent que dans le chat ici. Qu'est-ce que je vais avoir à gérer là-dedans? Donc si je travaille sur mon contenu, j'ai travaillé donc sur un seul contenu de texte. Ce contenu de texte est stylé. Ce contenu de texte stylé me permet de passer d'un élément à l'autre de mes blocs, d'un élément à l'autre de ma mise en page et du coup de gérer rapidement les déclinaisons. Quand j'ai besoin de gérer mes déclinaisons page, variante de mise en page, tester en fonction de vos formats. Et alors tout à l'heure, je vous disais justement par rapport à vos régies, vous allez connaître à l'avance les formats. Et vous avez bien entendu dans votre InDesign des formats basiques, les formats papier international, A4, A3, etc. Et moi, perso, pour mes besoins, j'ai rajouté un format 20-30, j'ai rajouté un format 10-18, un format A2, un 40-60. Et si vous avez un petit peu de temps et que ce sont des sujets récurrents, eh bien vous allez rajouter vos propres formats. Par exemple, une quatrième de couverture de tel magazine, vous l'appelez magazine. Voilà, et vous allez lui dire, ça fait du 200 sur 270. Et comme ça, vous savez que vous allez chercher ce format-là. Alors n'hésitez pas, hein, ça c'est toujours la petite remarque pratique, à rajouter dans le nom, dans le titre, le format que vous utilisez, parce que ça vous donnera quand même une information visuelle en plus que vous pourrez réutiliser. Ça c'est important aussi de le garder en tête. Ça va ça? Ok? Reçu, parfait, très bien. Bon. On continue de développer, toujours pour notre agence, toujours sur notre série de questions, bien comment passer d'un élément à l'autre. On a géré des déclinaisons avec les variantes de mise en page, on a géré l'ajustement automatique, on a géré l'importer et lier entre différents éléments. On a vu la mise à jour de nos éléments qui venaient donc depuis nos bibliothèques Creative Cloud. Pour ceux qui auraient raté le début, hop, dans ma bibliothèque, je sais pas s'il a fini de synchroniser. Ouais, ça y est. Regardez, dans ma bibliothèque, j'ai bien ma page avec le motif 1 que je peux utiliser, qui a été conçu au départ dans Photoshop et que je réutilise avec les variantes, hein, par rapport à l'image que j'avais qui était brute de décoffrage tout à l'heure, qui était grise. Là, je peux imaginer faire passer une image, une version temporaire d'une image, et la faire passer à mon retoucheur, à mon chromiste, parce que c'est important aussi pour vous d'avoir un professionnel qui gère justement la qualité de vos visuels. Et ça, c'est vrai que ça va être quelque chose qui va être intéressant. Donc oui, évidemment, c'est jamais instantané dans le sens où on a toujours le temps de transmission, le temps d'envoi de nos contenus. Mais je me disais que ça pouvait être intéressant de le gérer. J'ai travaillé là-dessus, donc sur le contenu de ma body copy. J'ai travaillé là-dessus sur les étendues de colonnes. Eh bien, lorsque vous allez avoir certaines body copies, vous allez vouloir préparer ces étendues de colonnes en fonction. Par exemple, ici,
Hop, en bas de ma page, je vais pouvoir lui dire, bah voilà, j'ai le bureau, bureau Paris, je vais avoir le bureau ailleurs et le bureau là-bas. Ok, c'est super subtil, mais au moins vous voyez qu'on a plusieurs villes différentes et plusieurs adresses qu'on va pouvoir gérer. Déjà, dans un premier temps, truc important pour vous, vous travaillez avec vos styles de paragraphe et vous lui dites qu'on travaille pour l'instant sur du corps de paragraphe. Tout à l'heure, je vous ai montré au niveau du travail qu'on pouvait lui demander de gérer plusieurs colonnes dans notre document. Ici, je vais lui demander d'en gérer trois, hein, j'ai trois bureaux, et mes colonnes ne sont pas du tout équilibrées. Ici, j'ai l'adresse et la ville. Mes colonnes ne correspondent pas à grand-chose. Eh bien, je vais pouvoir l'aider un petit peu, je vais pouvoir lui dire, ben voilà, après celui-ci et après celui-là, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, équilibrer les colonnes? C'est ce petit picto qui ressemble à des tirages d'hexagrammes. Hop, quand je clique là-dessus, il va me proposer, un, d'aligner sur la grille de base, ce qui me permettra d'avoir une cohérence là-dedans. Mais quand je reviens au niveau du bloc, avec mon outil de sélection, je vais avoir un picto qui ressemble beaucoup, qui est ici et qui me permet d'équilibrer les colonnes. Et il va équilibrer les colonnes sur mes deux blocs. Ça va, ça? Ouais. Donc je peux faire varier les étendues et les nombres de colonnes aussi en fonction de la taille de mon bloc. Ça, c'est une remarque que vous fait Stéphane dans le chat. Ici, vous avez vu que lorsque je déplaçais mon texte, eh bien, le nombre de colonnes restait plus ou moins stable là-dedans. Je peux lui demander, via le menu Objet, dans les options de bloc texte, eh bien, je peux lui dire que je vais avoir une largeur modifiable de mes colonnes. Ici, par défaut, donc il me donne une certaine largeur. Je vais lui dire qu'on va pouvoir aller jusque, allez, maximum une largeur de 90, par exemple. Une gouttière de 10 qui sera présente. Et puis, au-delà d'un certain ratio, voilà, on va augmenter les gouttières. Voilà. On va le traiter comme ça. Au-delà d'un certain ratio sur le bloc, regardez bien. Il va réduire et il va me dire, ok, là, je peux rentrer sur deux colonnes. Alors attendez, j'ai pas forcément fait le meilleur choix stratégique sur ce bloc-là. On va augmenter. Voilà. Voilà. J'augmente un peu mon nombre de colonnes. Quand j'augmente la taille de mon bloc, je vais avoir une remise en place de mon contenu. Je reviens dessus, je fais mon ajustement par rapport à ce contenu-là. Voilà, hop, on augmente un tout petit peu la largeur de base. Voilà, 130 c'était pas mal, 125, 140. Voilà. Et comme ça, quand je réduis la taille de mon bloc, hop, il va me réduire le nombre de colonnes en conséquence. Et je vais pouvoir retravailler. Au départ, eh bien, j'étais sur trois colonnes. Si je resserre encore ce bloc, il va me mettre deux colonnes. Là, ce qu'il me met dedans, en fait, depuis tout à l'heure, vous voyez, je suis un peu en train de galérer, c'est que j'ai oublié que j'étais sur un format 40 cm de large. Donc 40 cm de large, ça fait que mon bloc idéal, il fait 28. Donc il me faut 140 de colonnes. Voilà. On va essayer d'être un peu intelligent. 140 colonnes, jusque 160. Voilà. Et quand je suis là, eh bien, je tire mes colonnes. Pareil que tout à l'heure. Si je patiente, eh bien, lorsque je tire, il fait la redimension en direct. Là, il augmente le nombre de colonnes et il va tirer. Si j'augmentais encore vraiment, il me ferait une quatrième colonne. Voilà. Donc, je peux gérer ça. Je peux lui demander maintenant de prendre mon objet via la sélection flèche noire et lui demander d'équilibrer les colonnes de texte. Et comme ça, je vais équilibrer la colonne de body copy en fonction de ce que j'ai à raconter à l'intérieur. Là, si je réduis jusqu'en dessous de mon format de bloc, hop, il y a un moment, voilà, à 170, je devrais me retrouver sur une seule colonne de texte. Voilà. Ici, j'ai bien ma colonne unique de texte. Ici, je peux monter à deux ou trois colonnes en conséquence. Et ce que je peux lui demander, et qui est aussi très très fort à l'intérieur d'InDesign, c'est de gérer les dimensions de ce bloc. Donc, texte, objet, pardon, option de bloc texte, et ces options de bloc texte, je peux lui demander de travailler sur le dimensionnement automatique, et donc, par exemple, sur la hauteur, à partir du haut, eh bien, dès qu'il y a du texte, InDesign va redimensionner cet élément. Donc, s'il le redimensionne, je complète ma body copy une fois la revue faite
par mon rédac ou mon client. Voilà. Et vous voyez que InDesign me complète ces éléments-là. Il complète. S'il complète, ça me permet d'aller sur des blocs qui vont être beaucoup plus cohérents. Et beaucoup plus cohérents, encore une petite astuce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est éventuellement le fameux fond transparent qui vous permet d'augmenter la lisibilité de votre texte. Vous savez que si vous baissez juste l'opacité, hop, comme ça, de ce bloc-là, je sélectionne mon bloc et j'en baisse l'opacité, eh bien le problème c'est qu'on ne voit plus rien. Je peux lui demander spécifiquement, dans ce cas-là, d'être bien à 100%, mais de travailler les effets uniquement sur le fond du bloc texte. Et du coup, comme je travaille sur le fond, je baisse l'opacité juste du fond. Je ne change pas le bloc texte en lui-même. Et quand j'arrive à ce niveau-là, j'ai mis à 60%, eh bien, je me rends compte que, effectivement, mon bloc texte, mon texte, touche les bords du bloc, et que c'est pas très élégant. Si c'est pas très élégant, je reviens dans les fameuses options de bloc texte, et je lui dis, j'aimerais bien avoir, à l'intérieur, quelques millimètres. Ici, on est sur une affiche, donc 5 millimètres, ça peut passer très largement. Ok. Faut que je le sélectionne avant. Donc sur mon affiche, 5 mm autour de mon bloc texte, 3 même, ça a l'air suffisant, mais 5 c'est bien, comme ça vous le voyez. Et comme ça, je gère un beau bloc texte qui va être propre, qui va être aéré, qui va se redimensionner automatiquement en fonction du contenu. Ce qui fait que si mon client finalement revient vers moi en disant « bah oui, mais on enlève cette ligne-là », toutes les opérations que j'ai faites en une fois sont corrigées, sont équilibrées et je n'ai plus à refaire cette mise en forme. Donc l'intérêt, c'est un gain de temps et une systématisation de process. Ouais, systématisation de process, mise à l'échelle de vos contenus, préparation de vos bodies. J'ai besoin de récupérer ce style de bloc texte parce qu'il me correspond bien, parce qu'il fait exactement ce dont j'ai besoin. Bien, regardez bien. Là, on avait travaillé sur les styles de paragraphes. Dans le menu fenêtre, style, j'ai aussi des styles d'objets. Je peux enregistrer ce style de bloc texte transparent. Je vais l'appeler bloc transparent. OK. Et je vais venir l'appliquer ici. Je mets le style bloc transparent dessus. J'ai bien ici deux colonnes, mais je peux lui demander d'en avoir trois. Je peux gérer dessus. Et j'ai bien la redisposition de mes contenus. Peut-être que sur celui-là, je ne vais pas lui demander de gérer la largeur modifiable. Je peux rester sur un nombre fixe de colonnes. OK. Et je vais rester sur trois colonnes. Comme ça, il va retravailler sur mon contenu. Ça vous va, ça? Ouais. Ouais. Effectivement, Stéphane vous donne une bonne information, une information cruciale qui consiste à bien penser son gabarit en amont. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, quand on a l'habitude, on a tendance à le faire. Mais par contre, il faut bien le gérer en amont. Ouais. Idem, incroyable. Ouais. On n'a pas de retouche, on n'a pas de correction automatique des fautes de frappe dans YouTube. Donc ça, par contre, on peut pas le gérer. Voilà, la transparence, les ombrages de paragraphes, les blocs marques qu'on va réutiliser. Une fois que j'ai ce bloc marque qui pour moi est figé et qu'il m'intéresse, je peux le glisser dans ma bibliothèque. Et là, je vais vous montrer un truc aussi qui va être très utile les premières fois que vous allez utiliser vos bibliothèques Creative Cloud. Là, je viens de poser mon élément de bloc marque. Il est rangé dans les images de ma bibliothèque par rapport à cette campagne. Quand je vais créer un nouveau document, si je pose mon bloc marque, ce que je récupère en le déposant, c'est juste le contenu du texte et je vais récupérer, regardez ici, j'ai mon texte à l'intérieur, mais j'ai plus forcément tous les équivalents, tous les contenus de la, tels qu'ils étaient placés. Et bien, pour ce faire, je vais prendre mon bloc et je vais le glisser en appuyant sur la touche Alt. Et quand j'appuie sur la touche Alt, les anciens d'InDesign, dirais-je, vont reconnaître ce petit picto. Est-ce que vous reconnaissez ce petit picto? C'est le picto du snippet dans InDesign. Et un snippet, c'est quoi? C'est un extrait de contenu. Et du coup, c'est quand même lui demander, via la touche Alt ou majuscule, de le replacer tic, au même endroit que dans le document précédent. Ok pour vous? Ouais. Ouais. Eh bien, je vois qu'on est arrivé à peu près au terme des petites choses que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, qui nous font gagner du temps en agence, le fait de partager le contenu, le fait d'anticiper la participation d'une bibliothèque à plusieurs intervenants. Ici, j'ai travaillé avec Stéphane sur la création d'un motif, sur la création d'une couleur, mais j'aurais pu aussi travailler, n'oubliez pas, avec mon roughman, par exemple. J'aurais pu travailler avec mon photographe. Et tout le monde a accès en collaboration avec les bibliothèques, et c'est cette chose-là
qu'on va pouvoir réutiliser. Je vous ai montré donc le travail sur stock, le fait de choisir ces images. Quand vous avez votre photographe, il peut même lui se servir d'inspiration juste pour vous expliciter l'idée, hein, ça fait toujours un thème de recherche. Et quand on est arrivé à ce contenu là, eh bien on a géré des variantes de mise en page, des ajustements automatiques via le menu page, créer une variante de mise en page via le panneau de mise en page liquide qui vous permet d'anticiper les déclinaisons de vos contenus. Donc voilà pour aujourd'hui, je vais passer hop, sur le petit écran intermédiaire. On va se mettre au bon endroit. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Donc je suis toujours sur le petit écran ici. On va rajouter check la outro. Pour vous dire que cette semaine, donc, on était sur le sujet InDesign, affiche et publicité, maîtriser sa copie, et qu'on se retrouve la semaine prochaine, donc même heure, même endroit, donc ce sera toujours sur notre chaîne YouTube Adobe France. Nous retrouverons une masterclass spéciale avec Bastien Grivet, qui va nous parler d'illustration, de concept art. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses dedans. On va faire une conception de décor, il va nous parler de son travail sur les brosses, sur les créations, et ça devrait nous faire un beau petit sujet. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et bien bonne création.